Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui, moi ça va très très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera la vidéo de mes produits favoris du mois de juillet. Donc je vais tout simplement vous montrer tous les produits que j'ai aimés et vous dire si je rachèterai ou pas. Parce qu'il y a des produits que j'ai aimés mais que je ne vais pas racheter. Donc je vais trier au fur et à mesure bien évidemment. Voilà, donc et n'oubliez pas surtout de garder vos petits bouchons. Moi j'ai tout ça déjà pour les personnes handicapées. Donc voilà, peut-être vous allumez les lumières, vous me verrez peut-être un peu mieux. Ouais, on va dire que vous me voyez mieux. Donc je vais commencer par de chez Yves Rocher le vanille bourbon. Ça vous avez l'habitude de le voir dans mes produits favoris parce que je les adore. Et je les rachète tout le temps, ils sont plutôt bien. Après comme je vous dis, je les rachète que quand ils sont en promo ou on a un acheté, un offert. Parce que sinon c'est beaucoup trop cher. Ça doit être 4,90 pour 190 ml. Chez moi ça part excessivement vite. Donc franchement acheter ça pour, à 4 balles pour que ça fasse allez, une semaine et demie, ça fait beaucoup trop cher pour mon budget. Ensuite, on a de chez Nocibé le mousse légère nettoyant que j'ai adoré l'utiliser. Je crois que c'est la deuxième fois que je l'utilise, ce truc-là. J'ai plutôt bien aimé, ça mousse bien, donc c'est en format mousse. Donc ça, je rachèterai, oui. Ensuite, on a ceci de chez Amalis. Donc ça, j'avais acheté ça sur Facebook. Donc une fille qui fait... des ventes comme ceci que j'avais acheté chez elle en 500 minutes. Il nous a fait 15 jours à 5 à peu près. On était 5 et plutôt pas mal. L'odeur était plutôt bien. Je sais pas pour être honnête avec vous si je vais racheter ou pas. J'en sais rien. Donc peut-être. Donc ensuite le Tahiti douche que vous avez aussi déjà vu. Ça j'adore. Ça doit être le deuxième que j'utilise sur les 3 que j'ai. Il doit m'en rester un. Ça bah j'adore. Quoi vous dire de plus, j'adore, je rachète de temps en temps parce que Tahiti c'est quand même assez cher. Ensuite les cotons comme ceci, bah je rachèterai parce que ça c'est des cotons de chez Nose. J'espère que ça fait pas trop de bazar. Ensuite on a ceci que vous avez déjà vu parce que c'est le deuxième tube que je finis. Donc c'est le petit Dop lotion, donc c'est pour les poux. Voilà, donc vous savez très bien maintenant que je travaille dans une école et pour pas l'attraper, j'essaye de faire un maximum de temps en temps de faire des shampoings comme ça pour pas choper de. Pour pas en rechoper en fait. Donc ensuite le pour se démaquiller donc de Diadermine. Ça personnellement j'ai bien aimé l'utiliser mais je rachèterai pas parce que c'était pas oufissime. Mais j'ai bien aimé. C'est pour ça que j'ai mis ça dans mes produits favoris. Ensuite, de chez Naimatic, ça c'est un produit que j'ai adoré utiliser. J'ai mis une petite démo, je crois, sur Insta. Voilà, donc c'est tout simplement des petits sels de bain, mais en fait qui crépitent et qui vous fait une couleur hyper jolie de rose dans le bain. Pardon, ça franchement j'ai adoré et je rachèterai sans souci. Ensuite, de la même marque. Une boule de bain, donc de chez Naimatic, franchement ça c'était juste dingue, elle fait 160 grammes, donc ça j'ai adoré, voilà, vous pouvez la retrouver encore sur mon site internet, joli moi, donc ça franchement je rachèterai, oui je rachèterai. Ensuite on a une bougie party light comme ceci que j'avais fini en début de mois, que mon papa avait fini, c'était linge printanier qu'on avait terminé, on a adoré. Mon papa va en racheter deux parce qu'il n'en reste plus qu'une. Ensuite, on avait aussi de chez Evolve. C'est tout simplement le gommage pour le corps, pareil, de chez Joli Moi. Et j'ai adoré utiliser les formats, le sucre à l'intérieur, j'ai aimé utiliser. Ça, je le rachète et j'ai déjà racheté. Un petit. Ensuite, la mousse de douche de chez Nivea qu'on a déjà racheté. On adore ça. Donc, je vous en dis pas plus. Le Tahiti douche, le deuxième que j'ai terminé du coup ce mois-ci. J'en ai terminé deux. Ensuite, encore une mousse de douche, mais de chez Dove. Ça, on a adoré et on rachètera aussi. Ensuite, de chez Masque Masato, un masque pour les cheveux de nuit. J'ai aimé l'utiliser, mais... je ne le rachèterai pas parce que c'est un peu trop cher.
Ensuite, de chez Spa, de la marque Spa, une mouche de douche comme ceci en 200 ml. On rachètera, on a bien aimé. Et c'est la première fois que vous l'avez vu sur dans mes produits terminés parce que je n'avais pas racheté. Ensuite, le shampoing de chez Yves Rocher, le anti-pollution que j'ai bien aimé. Il reste encore un fond. On a bien aimé et puis je rachèterai parce que j'ai bien aimé l'odeur. Ensuite, on a ceci, Pilorg. J'avais bien aimé Pilorg, que j'avais bien aimé. Ça, j'avais eu ça pareil. Non, j'avais ça à Nose, 1,29€. Plutôt bien aimé. Je n'ai pas racheté et je pense pas que je rachèterai même si je retrouve à Nose. Ensuite, de chez Yves Rocher, le Maki Wiki, ça, je l'ai en grand format. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais j'ai bien aimé. Donc voilà, plutôt sympa. Le shampoing cheveux abîmés de chez Yves Rocher, pareil. Je n'ai pas racheté, mais je rachète très certainement. Le L'Oréal, la crème H percée, là. Je ne rachèterai pas, mais j'ai plutôt bien aimé utiliser ce petit échantillon. Guerlain, pareil, l'huile, je l'ai mis ça sur mon visage, j'ai plutôt bien aimé l'utiliser, mais pareil, je ne rachèterai pas parce que c'est un chouïa trop cher pour mon budget. Ensuite, on a fini un réchaud, voilà, partie light. Ensuite, j'ai terminé de chez The Body Shop, le gel douche, mais à l'orange. Moi j'ai plutôt bien aimé parce que les odeurs restent bien sur le corps, mais je rachèterai pas l'orange. Ensuite, j'ai terminé de Lavaille, une huile à lèvres que j'avais plutôt bien aimé, mais pour être honnête avec vous, je ne vais pas racheter ce produit là, mais c'était plutôt sympa. Et ensuite, le dernier produit, c'était un sérum de Huyen, voilà, en format pout comme ça là, que j'avais plutôt bien aimé. Voilà, j'avais plutôt bien aimé ce produit là. Donc voilà, donc je vous ai montré tous mes produits favoris de ce mois de juillet. Il y en a quand même pas mal, hein, j'en ai pas mal utilisé. Et pourtant je n'étais pas tout le temps chez moi. Donc voilà, plutôt contente d'avoir fini tout ça, que tout ça ne soit plus dans mes stocks, voilà. Donc j'espère que ma vidéo favori vous aura plu. Il y a eu quelques nouveautés, d'autres que vous avez déjà vues. Mais bon voilà, après... c'est mes favoris du mois, donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Et moi, je vais vous dire à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!